position famille, moi c'est Thérèse, bien sûr, correct, de sérieux. Bienvenue dans une nouvelle aventure de faire goûter. Vous permettez de dans une nouvelle destination aujourd'hui et pour ça, je connais qui je vais faire famille. Suivez-moi pour sa nouvelle aventure qui appelle faire goûter. Là, comment nous disons, nous pouvons débarquer dans une nouvelle destination pour nous faire goûter. Mais avant qu'il me dise que nous étions, laisse-moi dire qu'il peut faire moins 15 degrés que nous étions ici, famille. Justement, nous dans la Russie, plus précisément, nous dans Moscou. Avant qu'il nous aille goûter, famille, laisse-moi faire découvrir ce joli pays qui appelle la Russie là. Mais viens ensemble avec moi pour faire qui ça fait, famille. Hein? Vous vous attendez. Qui vous fait? Mais pour nous faire goûter! Aujourd'hui, dans cet épisode-là, nous vous découvrons la ville de Moscou. Après, nous prenons un étudiant mauricien qui vous prépare un okroshka pour nous. Ensuite, nous parlons d'une autre ville qui s'appelle Nizhny Novgorod, qui trouve au centre de la Russie. Là-bas, nous parlons goûter d'un grand bazar. We'll be right back.
La famille, mon vin d'un food court dans Moscou. Il y a beaucoup de types de cuisine ici. En premier, cuisine typique russe, à côté, il y a beaucoup de poissons fumés et poissons de l'eau douce. Il y a aussi restaurants italiens, chinois et turcs. Sans oublier, il y a ce bain piva. Aïe la famille, nous pouvons continuer l'aventure dans la Russie. Là, nous pouvons faire une découverte de notre affaire. Nous pouvons aller à la rencontre de Mauritian Russian Society dans Moscou. Et nous pouvons aller voir Madame Yulia et mon étudiant mauricien qui peut préparer pour nous, famille. Qui vient faire? Je te connais, mais suivez-nous, famille! Hello, my name is Uta, and I'm here in Russia for my bachelor's degree in computer science. We are all members of the Society of Friendship with Folks of Mauritius. Today, we are all gathered here at an unusual place called the Tutadu Studio. Here are some members. Hello, my name is Yashla, and I come from Nouvelle-Écouverte. I'm here in Russia to study for my master's in counseling. Salut, moi c'est Pascal, deuxième année en vétérinaire. Et je veux vraiment apprécier la Russie et l'atmosphère aussi. Bonjour, moi c'est Rélanie, je suis depuis le sud de Maurice et moi je fais mon étude vétérinaire ici. Bonjour, moi c'est Barvin Biari, je suis là depuis 4 ans maintenant, mais je fais mes études côté vétérinaire et j'habite Moscou depuis assez longtemps et je suis content de Moscou. Salut, moi c'est Kevin Ancoury, je suis sorti 5 ans et en ce moment là aussi, 4e année d'études vétérinaire. Alors... on est content d'avoir ici, excepté si vous pressez. Je m'appelle Nitoucha, je habite Brésil et en ce moment, je fais ma première année en Brésil. I would like to introduce the president of the regional public organization Society of Friendship with Folks of Mauritius, Miss Yulia. My name is Julia Maktova. Our society was created in 2017. For the Mauritian people to find here a second home. I would also like to introduce the chairperson of the board of the society, Miss Anna. Hello, my name is Anna Kurepina and I love Mauritius. Là nous présentons un type la russe traditionnel qu'on appelle Akroshka. Composé de radis, pommes de terre, joseph brie, jambon, concombre, sour cream et persil. Donc pour nous préparer ce plat-là, nous vous servons kvass. Kvass, c'est une boisson traditionnelle russe composée de du pain noir, black bread, yeast avec de l'eau. Donc là, nous vous laissons la place à Miss Anna qui vous prépare une certaine recette. Now we have mixed together all ingredients. Add sour cream. And kvass. It's Russian summer soup. Okroshka. It's very, very tasty. In the end, and dill and parsley, maybe green onion. Now, voilà. Miss Julien prépare ça. Et nous voilà goûter ensemble. C'est bien. Unit, my dog.
C'est bon. C'est bon. Excellent. Putain, moi. Bonne deux. Comment t'es brûlé? Marine. C'est bon. Voilà. Bye. We would like to give this Russian culinary book called Million Menu to Kevin Gatti for this special culinary show. Merci beaucoup, the Motion Russian Society ici de Moscou, pour sa jolie cadeau là. C'est un livre recette famille, un livre recette rempli avec bien sûr ma recette traditionnelle de la Russie. Ça, il me fait moi un grand plaisir pour recevoir lui et que je vous garde lui comme un grand souvenir de mes balades culinaires qui me fait ici. Et je vous remercie Yulia, Vlad et bien sûr tout mon étudiant. Ici dans Moscou et qu'un peu partout dans la Russie, mon étudiant mauricien bien sûr. Donc merci beaucoup et nous baladons continuer famille et que nous continuons faire goûter. Aïe la famille, nous arrivons dans Nizhny Novgorod, la ville qui a plus de 800 bananes qu'il tire et tradition et qu'il a aussi 1,3 million d'habitants ici. Comment vous avez trouvé dernièrement, nous devant Kremlin, avant qu'il nous commence nos balades culinaires dans Nizhny Novgorod, famille, laisse-moi faire découvrir un bazar. Nous allons dans ce bazar là, nous allons regarder comment on va travailler, qui vendait là-bas, parce qu'il paraît dans n'importe quel pays, un bazar les nourrit une population. La Russie, bien mari grand pays, mais ensemble avec la Russie, il y a encore un autre pays qui est important pour la forme qu'il tire, culinaire dans la Russie. Il y a Ouzbékistan, Kazakhstan, etc. Nous allons ensemble en moi à l'intérieur pour découvrir ça. Vini famille.
L'ami côte Daniel, il peut presser un bon jus de grenade frais. Et nous trouvons à l'heure, famille. Nous commençons nous l'aventure ici avec un bon jus de grenade. Quand on peut dire frais, l'affaire là, frais et qui bon. Hein? Daniel, il vient du pays Ouzbékistan. C'est passé, va. Dans sa base la famille, nous avons un grand choix pistaches, fruits secs, dattes qui viennent depuis plusieurs pays. Il y en a aussi des utensiles qui sont servis dans la cuisine traditionnelle russe. Nous gagnons ce ban plat, broc, baguette pour faire grillade, qui ban là normalement appelé sachlik ici, et aussi ce ban moule pour faire pelmini. Pelmini, il paraît comme un ravioli. Plus nous gagnons ce ban gros dexi, caraï, four, plus ce grand variété d'épices. Et aussi, il y a environ 65 variétés d'ité. Dans la culinaire russe, il y a beaucoup de menus qui font avec poisson. Donc, ici dans le bazar, nous parlons un peu comment on va vendre poisson là et qui est le type de poisson qu'il y a ici. Nous avons sa famille. Poisson famille. La Russie en a beaucoup la rivière et claque. En a beaucoup poisson de l'eau douce. En a plusieurs façons qu'ils ont venir ici dans sa bazar là. Ils sont capables de venir vivant, frais, en a poisson fumé. Et aussi le fameux ikra. La famille, nous venons dans une place spéciale parce que ici, tout ce qui m'a pour faire découvrir là, tout confit. Hein? Ils mettent pommes d'amour confit, cocombe confit, lissou confit, pommes confit. Donc tout ce qu'ils ont fait à trouver ici là, tout confit. Et que là, nous avons Madame Nina, Krasivaya. Bien jolie, une jolie madame avec un joli sourire. Hein? Donc, il faut faire goûter un petit peu. Tchut, là? Ok. Donc, la famille, nous veut goûter une pomme confit. Hein? Une pomme confit. Dans Maurice, nous faisons ça en pomme. Mais là, on veut goûter une pomme confit. Une pomme confit, famille. Mon cas, je dis oui, pomme, c'est pomme. Mais seulement, il a un goût frisité. Quand il finit confit, il a un goût frisité. Si je ne peux pas croire moi, essayez de faire l'expérience. Marie, sérieux, là, nous pouvons gagner l'occasion de goûter une autre affaire toujours. Yeah. Donc, ça, là, dans Maurice, nous avons un petit gain, cornichon. Mais peut-être ici, ce goût est différent. Mais pour que sa famille, laisse-nous goûter. Le style, la façon qu'ils ont été mettés, confit, les traditionnels, hein. Et que les maris, c'est les dames. Et que là, je peux goûter les sous confit. Normalement, moi, je dis que je n'ai pas habituellement les sous. Chaque confit que vous avez trouvé là, il a un goût différent. Parce que bien sûr, les légumes là même les différents, les nationaux propres composants et quand ils ont mélangé avec les épices qu'ils ont servi pour faire sa confit là, les maris différents et les maris bons, hein, les maris bons. Là, je vais goûter une affaire qui normalement, mon parti pour faire lui, c'est des cri pomme d'amour. Normalement, famille, dans Maurice parti pour gagner moi manger une pomme d'amour cri, même pas dans salade, hein. Mais là, les confits. Il y a une lutte saveur, une lutte
goût même. Laisse-nous goûter. Si vous n'êtes pas content de manger des games, juste mettre les confits, je vous mange tout. Je suis capable de dire que ça pomme d'amour là aussi, et d'un goût marissé. Marie-top quand vous mettez les confits, je vais faire une découverte, les mangos, et la façon que vous préparez, les styles traditionnels même, et les maribons. Maribon. Otin Fukosna. Donc ce qui madame Nina dit tout handmade là, tout fait avec la main traditionnelle. Donc nous vous dire madame Nina merci beaucoup. Спасибо. Да. Donc là, on prend une carotte coréenne. Dans tout le menu russe ici, nous pouvons gagner sa carotte là avec sa lissou là, l'eau la table. Donc c'est une affaire qui font partie de la tradition russe. Ici, nous avons une grande variété de pioshki. Les pioshki sont préparés comme un nan avec plusieurs assortiments comme un fromage, zoyon, la viande, etc. Nous avons aussi samsa et du pain normal. Là, un petit base qui vend chocolat, gâteau, candy. Nous avons sakava. Ici, ce qu'ils vendent, ils vendent un gâteau traditionnel. Donc, ce qui est là devant moi, on peut trouver matigate chocolat, napolitaine, medovic. Il y a plusieurs types de gâteaux. Plus il y a man chocolat, man candy, jité, etc. Mais là, il faut faire moi goûter un petit gâteau d'un gros Raffaello, rempli avec coco, biscuits, etc. Mais c'est moi pour vous connaître exactement, famille. Vous connaissez moi bien faire. Hein? Vous avez goûté. Laisse-moi goûter 5 ou famille, moi j'ai goûté. Maribon. À la base, il y avait coco, rempli avec coco, du lait, du sucre, et en dents, c'est un biscuit mélangé avec caramel, un goût marissé. Donc, je vais faire cette découverte, un Raffaello immense, hein, zoninette pour l'été. Donc, là, il y a la famille. Et pas oublier, si je peux venir dans Nijni Novgorod, nous dans le bazar central de Nijni Novgorod, venez faire le tour ici et que je vous joigne, ça, petit camarade là, avec ce variété de biscuits. Je tout bizarre comme Super Mario, mais voilà Super Mario en réel, mais il vieillit un peu seulement. Aïe la famille, nous baladons dans Bazar, la Russie, Pétermine ici, mais c'est moi, mon Dieu, suive-moi pour nous découvrir ce joli pays là encore. Fais à goûter de mon camarade.